Nous jeudi à lundi 18 décembre 2017. Bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la CAO. Un principal point qui a dominé l'actualité. Examen baccalauréat président de la République, la Jovenel Moïse, visité chantier sur route Matissan. Hier dimanche, visite sa rentrée dans l'objectif pour connaître qui est avancement travaillé sur route Matissan. Examen baccalauréat récalé première session pour année 2017-2018 là l'ouvrit jeudi lundi 18 décembre pour bout jeudi 21 décembre cap prochain là c'est plus passé 34 000 candidats cap gain pour participer dans session si là. Et l'autre information, 48e session Assemblée parlementaire l'ouvrit vendredi Pétionville. C'est président chambre député à Chauzeur Chancy qui l'ouvrit session ça en présence de diverses autorités. C'est première fois Haïti a pas recevoir un événement comme ça. Et à l'échelle internationale, nous calons dans le pays Chili pour nous faire qu'on a président Sébastien Piñera élu président pays Chili avec 54% vote pendant l'élection présidentielle qui déroulait dimanche 17 décembre. Ensemble, pour savoir qu'un pilote a bien pour faire essentiel journal, on a pu vite été branché, on a tourné dans un petit moment. Merci parce que toujours été branché télévision l'État n'a pas rentré avec développement information. Jacques Ndé a annoncé les différents titres pour nous faire qu'on a 48e assemblée parlementaire l'ouvrit vendredi 15 décembre dans l'hôtel Caribé dans Pétionville. C'est président chambre député à Chauzeur Chancy qui l'ouvrit séance en présence de diverses autorités parmi eux délégation membres dans délégation. Esaïe Aurélie Louis à Kevin Joseph était sous place pour TNH. Il a présenté un reportage à nous suivre. Plus passé 80 délégations a participé dans la 48e session CA dans Pétionville. Pendant 7 jours, membres différentes délégations ont fait débat et puis propositions sur divers sujets qui ont rapport avec l'avancement État membre ACPO, choléra, changement climatique et situation politique différents pays ACPO parmi thèmes qui n'ont agenda session Assemblée parlementaire. Président Chambre député A, Charles Chancy dans l'intervention, exprimé intérêt pour différents membres mettre ensemble pour combattre gros problèmes mondiaux. Que cette page de choléra à cette assise soit ouverte et relue pour une satisfaction, pour que satisfaction soit apportée à ce mal que la MINUSTA nous a infligé. À ce carrefour, Monsieur le Président, le Parlement haïtien, membre de l'ACP, réclame le support de tous les pays membres pour qu'enfin justice soit rendue à qui elle est due. L'ACP ne doit pas être qu'un organe de relativité aux valeurs morales, aux droits humains, ni un instrument sensible de l'ONU pour scruter pièges, malentendus, ouverts à la démocratie et au développement. L'ACP se doit aussi d'être un miroir d'alternatives communes aux nations y adhérentes. Nous sommes amplement conscients des efforts déployés par nos collègues de l'ACP, qui eux aussi ont leur lot de thématiques à traiter. À nous autres d'amplifier nos efforts pour la pleine et entière réussite des objectifs fixés. La 48e session, maintenant en pleine instance, nous souhaitons vivement que les travaux et les résolutions qui en découleront fassent l'édification de tous les participants. Nouveau président ACPA, Joseph Oona Kono, qui c'est tout, député pays Cameroun, fait éloge pays d'Haïti pour réalisation activité. Pendant le rappeler, fierté qui entoure pour participer dans l'Assemblée ça en Haïti, souhaiter résultat des bails pour tes fruits pour différemment mieux. Nous nous réunissons sur des thèmes bien déterminés et nous essayons de faire avancer cette assemblée qui est unique au monde. C'est quand même 78 États et cela représente, si vous voulez, le plus grand groupe politique au sein des Nations Unies. Hein, c'est 78 pays plus les 28 Européens, nous sommes le plus grand groupe au niveau des Nations Unies. Vous savez, c'est le progrès et le renforcement de la cohésion au sein du groupe ACP. Vous savez que bientôt nous allons entrer dans la phase de la négociation du post-Cotonou. Donc nous devons rassembler toutes nos forces pour pouvoir avancer. C'est pour première fois pays d'Haïti après recevoir session assemblée parlementaire ACPO. Le réaliser avant assemblée parlementaire paritaire cap fête lundi 18 décembre cap vin la nan Pétionville.
Merci ensemble avec collaborateur Esaïe Aurélius et Evans Joseph qui était sous place. L'autre information dans le journal, la président de la République, la Jovenel Moïse, visité chantier dimanche 17 décembre, premier pour arriver 5e avenue Boller, c'est côté TPTCM. TPTC a bétonné environ 700 mètres route. Il y a un visiteur qui est à bout de via du Kafouan qui en construction. Chef l'État fait connaître les satisfaits de l'État avancement travail. Cependant, profiter expliquer, c'est un avant-goût de processus caravane changement qui pourra l'étendre sur ensemble territoire à partir 7 février 2018. Là, on a invité à suivre. L'homme dit que caravane 7 février 2018, là, sur 10 départements pays, avait dit qu'il ne faut pas oublier que l'Ouest sont mon département qui est dans le pays d'Haïti. La ville de Port-au-Prince, son commune, la commune de Port-au-Prince, qui est dans 146 communes pays. Nous prenons une décision avec le ministre de la République pour nous être capables de faire la route Kafoua en priorité. Ça, il y a presque 4 mois, c'est ça, ouais. Ou sur la première avenue, sur 700 mètres. 700 mètres. Entre première avenue et 5e avenue, mais les fins de travail sur 4e avenue étaient jugés bon. Il faut nous prolonger le travail pour nous arriver à 5e avenue. Et réellement, il y a un problème, nous sommes nous obligés de couper la route là dans la zone 4e avenue et nous ne pas couper là encore dans la zone 5e avenue pour l'eau qui tombe dans la zone ça. Même le pas de la pluie, la zone est toujours humide, les mouillées, pour éviter ça, pour que maintenant nous ayons une route qui sèche, qui n'a pas de l'eau sous l'eau. Nous pratiquement à 70% fini par ce travail ça. Mais là, nous avons un viaduc. Fois, j'aime des dili via du bisouton. Ça, il y a 6 semaines, moi, là, nous, pour le côté, il y a consoli. Ça veut dire qu'il y a plus de camper là, mais nous, ouais, qu'on y a un travail sérieux qui fait dans 6 semaines. Ça veut dire travail à Paris pour un béton coulé sous lui. D'ici demain, après information que l'ingénieur se béton a coulé et je promets. Fin 2018, il faut via du plan fonctionnel. Ça veut dire qu'il faut au monde qui saute Kafou, on y a alors arrivé dans le niveau bisoton. On aime dire monde qui saute dans le Grand Sud, qui saute dans le Sud-Est, qui saute dans le Nip, qui saute dans le Sud, qui saute dans le Grand-Est. Là, arrivé dans le niveau bisoton, pour pas bien problème pour capable de jamber la zone ça encore. Mais ça qui est bien important, je dis, comme dit tout le monde, jamais même moi te dire, c'est pas. 7 février, n'a pas pour qu'il y ait un dérapage. Le ministre, ça a gagné 2 semaines. Depuis que les 10 mois de visite que l'on a fait, ils ont tiré à propos de moi. Hier, nous ensemble, ils parlaient de problèmes, ravines qui jambaient, zone métropolitaine. Nous parlaient de ravines qui sortent depuis Mariani pour arriver juste dans la zone bon repos. Ravines, ça a eu, l'équipement a commencé à entrer. Je crois qu'en 20 fêtes là, aujourd'hui en 17, en 24 décembre, nous avons une quantité d'équipement qui est mobilisée sur le curage dans la zone métropolitaine. Nous ne pouvons pas connaître sur qui ravine exactement que priorité pour accorder. Mais en fait, les techniciens au niveau des travaux publics ont commencé à mobiliser en 20 24 décembre pour être capables de mettre l'équipement pour faire le curage. Dans la vigne, parce que ce n'est pas la saison là qui est arrivée, c'est l'heure pour nous être chargé. Parce que automatiquement, la saison cyclonique là, qui finit 30 novembre, il faut nous mettre nous à l'œuvre pour nous commencer à préparer pour la saison qui est venue. Mais l'ouest là, de pile travail qui commence à faire. Dans la zone quoi des bouquets, nous connaissons Kafou Marassa, le ministre ça, il y a un travail qui a fait. Petit place case, il y a un travail qui a fait. Moi, je connais que dans la commune d'Elma, il y a un pile travail qui a fait, un pile caniveau qui a mis. En pile asphalte qu'ap mette dans zone d'ouya, moi connais que d'ici semaine ça chaussée ça une réparation qui peut pas le faire sous lui. En fait l'ouest là nous gain en pile chantier qui dérapé là. Mais je nous toujours dit si nous dit caravane n'a dérapé 7 février 2018, c'est pas 7 février 2018 là n'a nous dérapé là. Même j'en ouais yem dans Kafou Jof. Je dis dimanche. Moi, dans l'Ouest, pour que les gens n'importe où, on est
que Jean Caravane en province, il y a même tout le droit. Mon nom Cité Soleil, moi connais la privée sur nous là, parce que moi connais nous tout canal, nous tout bouché net, nous connaissons ça. Nous connaissons toute ravine sèche qui descend dans la cité. Il y a 5 ravines sèches qui descendent, ils sont toutes bouchées. Le ministre là, il y a passé instruction, il y a un travail qui va commencer à faire, je vous dis là. Nous avons presque arrivé dans cette là, mais avant cette là, pour l'équipement commencer à mobiliser ce Port-au-Prince pour le travail commencer à faire. Voilà, on a suivi un bout de l'intervention au président de la République là, hier dimanche. Là. C'était ensemble avec Sabine Jean-Étienne et Jean-Aël Duvernay. L'autre information, directeur central de la police administrative, là, Joanny Caneus, installé vendredi 15 décembre, Berson Soljour comme nouveau directeur départemental Ouest Police Nationale. Là. L'inspecteur général a invité nouveau responsable à travailler dans la limite de la loi avec un principe institution PNH. Là. Nouveau directeur départemental Ouest, la personne seul jour pour mettre compétence et capacité dans le travail capitaine pour faciliter la sécurité garantie dans le département. Un extrait de micro Anne-Marguerite Auguste avec Michel Joseph. En plus de vos expériences et de votre leadership qui seront mises à profit, j'en suis sûr, je vous exhorte, si vous voulez réussir avec brio, à ne pas oublier que la collaboration de la population en général est un atout. La collaboration des autorités locales, politiques, religieuses, de la mini-juste, de la presse, des organismes des droits humains et de la société civile est quelque chose, cette collaboration est quelque chose qui est nécessaire à votre réussite. Ma vision est de faire de ce département un modèle en termes d'accueil du public, une référence en matière de la coproduction de la sécurité, parce que la sécurité, ce n'est pas l'affaire de la PNH, c'est l'affaire de tous, et les lois du pays en disposent. Je voudrais aussi que ce département soit une référence en matière de respect des droits de l'homme, de la discipline, en un mot, de la doctrine institutionnelle. Comment m'y prendre pour conduire la BAC de la direction départementale à bon port? Conformément aux dispositions de la Constitution en vigueur, de la loi portant création de la police nationale d'Haïti, du code d'instruction criminelle, du code pénal et des grandes orientations en vue de l'établissement d'un état de droit en Haïti, notamment le plan de développement de la PNH, des manuels, ordres, directives et autres textes relatifs à l'exécution des tâches de police, la police du département de l'Ouest mettra tout en œuvre en vue de garantir la protection des autorités constituées, des biens et ressources de l'État, de prévenir les crimes et délits, de contribuer à la jouissance des droits fondamentaux et à l'exercice des libertés publiques dans la cité, à rechercher les crimes, les délits, les contraventions, en rassembler les preuves et en livrer les délinquants aux tribunaux. La déformation dans le journal Lab, aujourd'hui lundi, Gerline Jean-Louis installé vendredi 15 décembre passé comme nouveau directeur de travail dans le ministère des Affaires sociales avec travail. Lui promet de travailler avec tout secteur pour avancement institution. Gerline Jean-Louis remplacé dans le poste Renan Edouville qui occupait Kounia poste protecteur citoyen. Nous extrait de Anne-Marguerite Auguste avec Michel Joseph.
Je suis prêt pour travailler avec tout le monde. D'ailleurs, un directeur ou bien une directrice du travail, c'est ou là pour travailler avec partenaires sociaux, c'est syndicats, c'est représentants travailleurs et puis représentants employeurs ou bien employeurs. Ça veut dire qu'en tant que l'État, nous là pour nous faire équilibre. Ça veut dire que nous-mêmes, nous, où qu'on est directrice du travail, la gagne de chapeau et les directrices du travail, et en même temps que, selon la loi organique, les présidents CSS automatiquement. Ça veut dire que nous là pour nous travailler, nous condamner pour nous travailler avec les partenaires sociaux. Message, moi, t'as gagné, moi, t'as dit tout le monde aurait été confiant que c'est secteur patronal, que c'est secteur syndical. Vous êtes confiant parce que et nous là pour nous faire équilibre, j'aimerais me dire, parce que moi, franchi toute étape, moi, habitué à faire inspection en entreprise, moi, connais tout problème entreprise, moi, connais tout problème travailleur, moi, connais tout problème des cas dit tout patron à confronter, l'aime dit problème patron à confronter, travailleur à confronter, c'est des deux côtés qu'il y a problème. Ça veut dire que, comme moi, dis déjà, c'est équilibre nous là pour nous faire, n'a pas là pour nous faire équilibre. L'autre information dans le journal, le groupe appuyé rapatriés et réfugiés au GAP plaidé en faveur vendredi 15 décembre en faveur migrants dans l'aide l'ouvert, li adressé à Parlement. L'aide demandé par le Haïtien ratifié convention internationale protection droit tout travailleur migrant et même famille. L'aide ouvert ça a gain pour objectif attirer attention parlementaire sur nécessité pour capable ratifier convention internationale protection droit travailleurs migrants avec famille n'a pas vite suivre. GAR décidé par conférence de presse d'une part pour renouveler solidarité avec tous les migrants dans le monde, puisque nous connaissons Nations Unies par un total de 250 millions de migrants internationaux qui quittent le pays et en pile dans yo a subi préjugés, discrimination, mauvais traitement parce que yo pas la caillou. GAR salue tout migrants sa yo et en particulier migrants haïtiens yo. Convention ça, li founi un cadre juridique de, international qui capable qui permettent que nous capable analyser et orienter politique internationale yo. Et pour nous-mêmes, nous connaissons que Haïti son pays d'immigrants, plus de 3 millions haïtiens vivent à l'extérieur, même si en pile nan yo arrivé réinséré, mais nous connaissons en pile nan yo a vivre des situations très difficiles, surtout cas emblématique nous gagne avec réalité migrant en République Dominicaine. Et ben la pose outil pour nous même organisation yo faire plaidoyer auprès des pays sa yo sous nécessité pour respecter droit migrant yo. J'ai annoncé les différents titres. 34 205 candidats doivent participer sorti lundi 18 pour arriver jeudi 21 décembre dans l'examen recalé première session spéciale pour année académique 2017-2018 là. Département l'Ouest a gagné 14 082 candidats, Nord 4 188 candidats, Latibonite 3 707 candidats. Ces trois départements sao qui gagnent plus candidats, NIP c'est département qui gagne moins candidats la donne avec 761 candidats. Ministère éducation nationale avec formation professionnelle fait connaître yo rappelé consigne toujours kembe takou pour candidat yo vinn composé en uniforme. Calculatrice avec tout l'autre matériel communication pour téléphone interdit. Aucun candidat pas capable de rentrer dans le centre examen ou avec examen. Il y a une sanction qui prévoit pour si la yo qui a violé consigne sa yo avec l'autre encore. N'a pas à poursuivre avec le journal là pour nous faire qu'on est ministre touriste là, Colombe Émilie et Jessie Ménos remettre plaque honneur qui mérite by magistrat for liberté à Étienne Louis Jacques pour être yo Québec commune propre. Ministre là dit c'est un exemple pour l'autre communauté à imiter pour Kembe pays à propre. Magistrat remercie ministre pour marquer attention ça en faveur commune là. J'essaie après encourager au faire plus toujours pour permettre commune toujours rester propre. Et puis, il y a l'autre image. Il y a un extrait dans le micro de Marguerite Auguste et Michel Joseph. Nous avons une campagne de sensibilisation que nous avons commencé depuis le 30 juin de l'année. Ça. Et nous avons marché dans toute ville, nous avons allé dans la fête champêtre, dans toutes les communes. Et nous finissons par réaliser et nous faisons un sondage au niveau de
de 2-3 moun que nous connaît qui marchait en pile dans pays en tout. Demandez yo qui côté qui était plus propre, que était plus propre dans ville là. Moi même tout, automatiquement que équipe moi était venir tout, l'homme était donne première fois m'était ouais photo de la ville de Fort Liberté. Moi dit oh, regarde comment ville propre, c'est ça que tes premier marqué. Et même l'homme t'ai posté photo yo tout sur page Facebook là, moi trouvé que tout le monde t'a réagi. Donc de ce fait, m'pas ta été indifférent à tout ça que nous t'ai ouais et à tout ça que équipe l'ont fait tout. Donc moi t'ai venu, m'dit jodi en faut que moi t'a honoré magistrat vilain pour m'dit exactement qui travail que le fait, comment le fait pour qu'il y ait des communes en propre et lui même tout cap servir de exemple de modèle à tout reste mairie qui en dedans vilain. Nous venons prendre plaque ça, non Jean-Jacques Dessalines, non tout Saint Ouverture et non bras en tonnerre. C'est notre rêve, c'est notre objectif qui permet aujourd'hui, hein, après un an, 7 mois, sans projet d'assainissement dans la ville, nous tenir le poids. Avec nos efforts personnels, avec nos moyens d'abord, par le sens du dialogue. Là. Et c'est comme ça que nous convaincons la population. Hein, nous finissons par comprendre nous. Avec une grande machine, moi je suis même avec 6 bourrettes. Ville ça sorti, premier lauréat, nous dit, dans la ville, dans le domaine d'assainissement. Nous voulons tout secteur qui voulait aider nous, ben nous back-up pour nous tenir la vie propre. Surtout dans le tourisme, fort, nous sommes forts là. Nous souhaitons que mon gens ne le monde bien un jour, on séjourne dans le web pour ça. Son fortune que le pays a gagné là-dedans. C'est le fort de mettre 15 à la caille. C'est la raison qui fait que nous avons un gars qui pousse avec nos moyens du bord, nous tenons ça d'une manière propre. Même conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ dans une conférence pour la presse renouveler engagement yo pour respecter mission la loi bayo membre CSPJ qui t'a réagi sous dernière déclaration chef l'état bay garantie à peu de travail pour capable améliorer qualité service ya bay population yo fait connait membre conseil a rester l'ouvert pour toujours rester l'ouvert pour capable chita parler avec exécutif là micro Rachel c'est fort acteur Fresnel tout ça. Déclaration ça a été fait nous pas content, t'es fait pas content et nous t'es estimé que t'es gagné des explications pour nous t'es bail population haïtienne. Par rapport à la question de certification, semaine dernière ou bien novembre, et conseil a publié une liste parce que t'es gagné une équipe qui a fait certification, une commission qui a fait certification juge, mais son commission mixte. Il y a un conseil là, il y a 3 membres du conseil là, et 3 membres que le conseil a désigné, et il y a tout, et 3 membres que le ministère de la Justice désigne, puisque son commission qui pour faire certification magistrat, ce n'est pas pour le juge seulement. Donc, le résultat que nous avons, c'était des résultats que l'équipe technique ça, qui composait tant de conseil là, de membres désignés par le conseil là, que de membres du ministère de la Justice. Qui te fait travail enquête et qui te permet de nous avoir une série de monde qui est capable d'être dans le système, non? Mais une série qui n'est pas capable d'être dans le système. Non? Et puis une autre série de monde, il a continué à faire enquête sur eux. Donc, quelque part, le conseil a un souci pour retirer les monde qui n'est pas doué dans le système. Non? Nous ne pouvons pas retirer tout le monde d'un seul coup. Nous ne pouvons pas retirer tout le monde d'un seul coup. D'ailleurs, nous ne pouvons pas tout d'un seul coup. Et nous assurons-nous que l'œil pour plainte contre un juge et mes tribunaux disciplinaires jugés. Et certification, ce n'est pas un chèque en blanc que vous avez. Parce que même si un juge certifié, si n'importe qui bagaille est arrivé, n'importe qui côté vous avez porté plainte pour lui, n'importe qui l'heure, eh bien, nous sommes toujours capables de prendre dossier, à traiter et aller devant le tribunal disciplinaire pour nous sanctionner si besoin est. Et nous devons assurer la population que effectivement la justice malade, mais CSPJ a fait ça le capable. Et nous avons besoin de la population. Le conseil là, avec toutes ses limites, a fait possible pour lui garantir juge que vous n'avez pas ni pression politique, ni pression l'argent, que vous êtes capable d'agir dans leur indépendance totale. Nous sommes déjà arrivés dans le moment pour nous aller avec l'actualité internationale. Là, pour nous faire connaître Sébastien Piñera, élu président pays Chili avec 54% de vote pendant l'élection présidentielle qui déroulait hier dimanche dans le pays Chili. Nous avons vite suivi un reportage. Et avoir envahi les rues de la capitale, drapeau chilien à la main, il célèbre la victoire de Sébastien Piñera, candidat à la présidence du pays. Le Chili a réalisé qu'il fallait aller voter.
On l'a fait et on a gagné. C'est bien pour le Chili et on espère que ce sera un bon gouvernement. Je suis si contente. Vous ne savez pas depuis combien de temps j'attends ce moment. Sebastián Piñera, ancien président du Chili, a fait la différence en s'appuyant sur les divisions de la gauche. Pour attirer les électeurs, le candidat conservateur a promis des baisses d'impôts, une croissance multipliée par deux et l'éradication de la pauvreté. Largement devancé, Alejandro Guille a reconnu sa défaite. Je crois que l'on peut être fier de notre programme, mais nous devons faire une autocritique. Nous subissons une large défaite et c'est lors des échecs que nous apprenons le plus. Nous allons reprendre des forces et aller défendre nos réformes. Alejandro Guille, soutenu par la présidente sortante Michelle Bachelet, a réalisé le score le plus faible d'un candidat de centre-gauche depuis le retour de la démocratie en 1990. Après une campagne à couteau tiré, sur l'estrade, il fait bonne figure aux côtés du nouveau chef de l'État. Le Chili a besoin d'entente, non de confrontation, de dialogue et de collaboration. C'est seulement de cette manière que notre pays pourra avancer sur des fondations solides. Sebastián Piñera a déjà promis de perfectionner les réformes en matière de fiscalité et d'emploi. Avec sa victoire, c'est le retour aux affaires de la droite au Chili, une lame de fond déjà observée en Argentine. L'autre information dans le journal là, toujours dans ce qui concerne l'actualité internationale là, pour nous faire connaître un pays où dira ce tribunal suprême électoral là, Fernando Hernandez a gagné l'élection présidentielle yo, qui était faite le 26 novembre passé. Il y a un reportage. Au Honduras, trois semaines après une élection présidentielle très controversée, le chef de l'État sortant a finalement été déclaré vainqueur. D'après le tribunal suprême électoral, le conservateur Juan Orlando Hernández a obtenu près de 43% des voix, à peine 1,7% de plus que son opposant Salvador Nasralla. Nasralla, qui se trouve sur cette image à la droite de Manuel Zelaya, un opposant s'étant rallié à lui, n'entend pas reconnaître sa défaite. Il a appelé ses sympathisants à descendre de nouveau dans les rues pour faire annuler le résultat. Depuis des semaines, l'opposition dénonce des irrégularités lors du scrutin de 26 novembre et malgré un recomptage des votes, elle appelle à une nouvelle élection. Faire revoter les Honduriens, c'est aussi ce que propose le secrétaire général de l'Organisation des États américains. Dans le sillage de la présidentielle, des violences entre forces de l'ordre et manifestants auraient coûté la vie à au moins 14 personnes, selon Amnesty International. Voilà, c'est avec les dernières informations que je n'ai pas capable de dire, mais juste avant nous aller, quittez nous rappeler au principal point qui était fait essentiel, première sortie du journal pour semaine-ci-là. Président République, la Jovenel Moïse a visité chantier sur route Matissan hier dimanche. Visite ça a rentré dans l'objectif pour connaître qui est avancement de travail s'il a eu. Examen baccalauréat récalé première session année pour année 2017-2018 là, l'ouvrir jeudi lundi 18 décembre, la bout jeudi 21 décembre, c'est plus passé 34 000 candidats qui ont participé dans la session s'il a. 48e Assemblée parlementaire l'ouvre vendredi 15 décembre dans Pétionville. C'est président chambre député Charles Jachancy qui l'ouvre session ça en présence de diverses autorités. C'est première fois Haïti recevoir un événement comme ça. Et à l'échelle internationale, nous informons pour nous faire connaître Sebastián Piñera, élu président pays Chili avec 54% vote pendant l'élection présidentielle qui déroulait hier dimanche 17 décembre. C'est ensemble pour savoir qu'un pilote était fait essentiel. Première sortie téléjournal pour semaine-ci. On a souhaité passer une excellente journée le lundi, mais surtout une très bonne semaine sur la 8.